J'espère que vous allez très très bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour le book haul du mois de février. Comme d'habitude, on a de l'occasion, on a du neuf. Je vous montre ça tout de suite. J'ai encore deux petites piles quoi. Mais bon, je vais pas me chercher d'excuses à chaque fois. De toute manière, elles sont pas valables. Je sais pas par où commencer. Je vais commencer par ceux que j'ai trouvés hier. Je suis allée faire un petit tour à Cash Converters, pensant ne rien trouver, et à chaque fois que je pense ne rien trouver, c'est là que j'en trouve le plus. Donc, c'est un petit peu bizarre, mais c'est comme ça. J'ai trouvé Princesse Maudite de Julie Kagawa, aux éditions Darkis. Il était dans ma Wish, il me semble, celui-ci. J'adore la couverture. Enfin, c'est une édition qui se fait plus, mais ils sont vraiment beaux. Et je l'ai eu à 2,99€, toujours avec les super étiquettes, super grandes, super moches et super chiantes à enlever. Mais voilà. Donc je sais pas du tout de quoi ça parle, mais je pense que c'est de la fantasy, hein. Voilà. Et ça va en étant, il y a état d'occasion, quoi. Mais, ça va. Ça me va. Pour ce prix-là. Travailler Donc voilà pour celui-ci, où c'est que je vais les mettre. Je vais le passer là. On va faire ça comme ça. Ensuite, je me suis trouvé trois tomes d'Alison Noël. Donc c'est la même auteure que pour la saga éternelle que vous voyez juste là. Que je n'ai pas commencé, bien entendu. Hein. Mais il y a des belles couves, donc je prends. C'est aux éditions Michel Lafond. Donc les chasseurs d'âmes. Donc le premier tome destiné. Ça va quand même, les tomes, ça va. Franchement, ça va. Et pareil, à chaque début de chapitre, j'aimerais bien que j'arrive. Voilà. Bisous, bisous. Donc, voilà pour celui-ci. Le tome 2, c'est Echo. Vous voyez, les couvertures sont vraiment pas vilaine, hein. C'est juste le petit bandeau là par l'auteur d'Éternel que c'est pas top quoi. Mais sinon, les couves sont vraiment très jolies. Ouais, chaque tome est cassé au niveau du tout. Pareil, 2,99€, je sais pas si je vous l'ai dit pour celui-ci. Si. Et on verra bien ce que ça donne. Il y avait aussi le tome 3. Donc là, c'est Mystique. Pareil, une belle couve. J'ai vu celui-ci en premier. Donc je vois, c'est un tome 3. Je me fais, je sais pas trop si je prends. Puis après, j'ai vu les deux autres tomes un peu plus loin. Donc voilà, j'ai même pas cherché à comprendre. J'ai pris, c'est une saga en 4 tomes, il me semble. Donc voilà, il m'en manque plus qu'un. C'est cool. Et toujours, ouais, jusque sur le troisième, il y a encore le bandeau, quoi. Pourquoi ils font ça? Ensuite, j'ai trouvé Nos âmes jumelles de Samantha Bailly. Donc celui-ci, je l'ai déjà, moi, aux éditions France Loisirs. Là, c'est l'édition France Loisirs. Donc j'ai pris celui-ci pour ma sœur. Elle l'a pas, et ça l'intéressait. Il est très très bien noté. Je l'ai eu à 3€ celui-ci. Donc voilà, celui-là, il restera pas à la maison. Ensuite, j'ai trouvé L'élixir magique. Encore un aux éditions Darkis. Donc de Caroline Schulz. J'en ai pas un d'elle. Non. À chaque fois, il n'y a pas. C'est la même maison d'édition. Du coup, je crois que c'est la même auteur. Mais non. Ah, j'ai droit à un petit marque-page. Mais en fait, c'est un truc où vous pouvez sentir le parfum sous élixir de Yves Rocher. Mais ça ne sent plus. Hein. Donc, ça va partir la poubelle. Voilà. Il est un petit peu corné ici, je sais pas si vous allez le voir. Bon, c'est pas très très grave. Ça va. Pareil, à 2,99€. Ensuite, toujours à Cash, j'ai trouvé Percy Jackson, Le voleur de foudre, aux éditions Albin Michel Collection Wiz. Celui-ci, je l'ai eu à 4€, toujours avec l'étiquette bien dégueulasse. Par contre, je crois que c'est une jaquette. Ouais. Alors, je vous montre à quoi il ressemble en dessous. Il est comme ceci. Donc je sais pas trop ce que je vais faire, si je vais laisser la jaquette ou non. Mais voilà, Percy Jackson, c'est. J'aime bien les films. L'univers a l'air vraiment intéressant.
c'est relativement écrit gros et ce qui paraît c'est vraiment pas mal. Donc pourquoi pas. Je sais, c'est de Rick Riordan, je vous l'ai même pas dit en fait. Et je sais pas trop si c'est le premier ou pas. Lisez la suite. Ah, quoique c'est peut-être le premier. Je vois qu'il y a trois autres tomes derrière. Donc c'est peut-être le premier. En excellent état. Double tome de chez France Loisirs, Laurel Kay Hamilton. Plaisir coupable suivi de Le Cadavre rieur. Donc à 6 euros. Ils sont 9. Donc voilà, j'ai pas pu l'essayer, sachant que je me suis trouvé plusieurs tomes dernièrement. Je sais plus où je me les suis trouvés. Si c'était déjà à cash ou pas, je ne sais plus. Mais je vous en ai présenté le mois dernier, il me semble. Mais voilà, je vais continuer d'amasser. Et là, c'est le premier et deuxième tome. Donc c'est cool. Je pourrais commencer la saga. Mais ouais, ils sont bien blancs. Voilà, bien neufs. Donc c'est super cool. Je suis super contente. Sauf que voilà, c'est pas la même maison d'édition. Hein, c'est pas chez Milady, mais bon. Pour C'est pas grave, hein. C'est pas grave, moi je me dis. Non, c'est pas grave. Ensuite, je me suis trouvé bah, la suite, le tome 3 et 4. Donc, toujours de Laurel Kay Hamilton, hein, forcément. Donc, le cirque des damnés, suivi de Lunatic Café. Donc, pareil, il est neuf et pareil, à 6 euros. Donc, je suis super contente. Ma soeur, je venais d'arriver au boulot, elle me fait T'as pas pris les Laurel Kay Hamilton, hein? Je lui fais bah si. Enfin, je fais pourquoi? Parce que t'en as hein, déjà. Bah oui, mais j'avais pas le 1, le 2, ni le 3, le 4. Je l'ai à partir du 5, il me semble. Donc, enfin, je suis plutôt contente. Il m'en manque encore pas mal, hein, parce qu'il me semble que c'est quand même une grosse saga. Mais voilà, je suis contente. Dans cet état-là, je pouvais pas les laisser de toute façon. C'est pas possible. Même si c'est des élus de France, même si c'est des éditions France de Loisirs, moi personnellement, je m'en fous. Hein. Ensuite, Anouz, je me suis trouvé un Hugo roman, collection New Way, donc de Catherine Holmes, Comment j'ai appris à voler. C'est le tout dernier qui restait. J'ai cherché pendant un moment et il est pas en super bon état, mais bon, je l'ai eu à 2,99 €. Voilà, au lieu de 17 euros, donc. Je les cherchais et j'en ai quand même trouvé un, donc je suis quand même contente, mais bon, il va falloir que je le nettoie un bon coup celui-ci. Et ouais, il est pas super, super, super étoche. J'ai un super anti-vol juste à l'arrière, je suis ravie. Petite étiquette ici, j'espère que ça va aller enlever. Mais sinon, il est, ouais, il est abîmé là. Enfin, il est dégueulasse, quoi. Mais bon. C'était dans ma wishlist. Et j'aurais pas, j'achète plus du gros roman neuf de toute manière. Donc à ce prix-là, j'ai pris. Ensuite, je devais faire mon achat de la saison à France Loisirs. Vu qu'on a recommencé une année, bah voilà. Malgré que j'ai fait des achats en décembre, ça n'a pas vraiment compté. Donc voilà, on recommence une saison. Donc j'ai pris un palet d'épines et de roses de Sarah Jimas, donc aux éditions France Loisirs, forcément. Et je l'ai eu. Je l'ai eu à combien? Je crois que je l'ai eu à 15. Je crois que j'ai le ticket à l'intérieur. Oui, 15 euros. Je l'ai eu à 15 euros. Voilà. Donc, je sais pas combien ça coûte neuf chez la Martinière. Il me semble que c'est plus cher. De toute manière, je pense que c'est forcément plus cher si c'est à France Loisirs maintenant. Donc, j'attendrai la suite pareil chez France Loisirs. Je suis pas pressée. De toute manière, je suis pas sûre. Je pense pas qu'il va sortir rapidement de ma palle. Voilà. Donc bon, je savais pas trop quoi prendre. Et celui-ci, bon, de toute manière, je lis en e-book. Mais c'en est un que je voulais avoir dans ma bibliothèque. Parce que je pense que je vais bien aimer l'univers, étant donné que c'est une réécriture du conte de la Belle au bois dormant, je crois. Je crois. Je sais plus. Je sais plus. Mais bon, là, on va suivre une jeune femme qui s'appelle Fern, un truc comme ça, et elle va tuer. Fer. C'est le type qui s'appelle Fern, je crois. Non, c'est Tamlin.
Oh, dis donc, c'est dans quoi, Fern? Ben, je sais pas. Mais bon, là, on va suivre faire. Faire, fire. Je sais pas trop comment le dire, en fait. Feyre. Qui va tuer une bête. Mais en fait, il s'avère que cette bête, c'est Tinfae. Et elle va être kidnappée, je crois, par les Fae. Enfin, il va se passer un truc bizarre, mais il va se passer plein de choses, je pense, s'il y a 3 tomes. Donc voilà, le premier tome, donc Akotar, ça, The Court of Thorns and Roses. Donc voilà, je verrai bien ce que ça donne. Mais il est joli, il est joli. Je crois qu'il y a une carte au début. Je crois, oui. Donc je verrai bien, mais non, je pense pas qu'il va sortir tout de suite maintenant celui-là. Voilà pour du neuf. Ensuite, on repart dans l'occasion. J'ai trouvé à Emmaüs un J.K. Rowling. Donc une place à prendre aux éditions du livre de poche. Il est neuf. Donc bah j'ai pas vraiment réfléchi, j'ai pris. Voilà. J'ai toujours pas lu de J.K. Rowling, hein, donc ça m'en fera un de plus avec Harry Potter à lire. Hein, voilà. Et en plus, c'est une bricasse. Plus de 789 pages. Mais bon, je verrai bien ce que ça donne. Ensuite, je me suis pris Sœur ennemie et autres nouvelles aux éditions Histoire d'ici et d'ailleurs de Marie-Paule Armand. Ça fait. Je le vois beaucoup, souvent, 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 Emmaüs. Il y a en plusieurs exemplaires. Il m'a toujours. Maintenant, c'est aux éditions France Loisirs. Pourquoi je dis. Ouais, édition France Loisirs, donc. C'était un livre offert par France Loisirs, je vois. Donc, voilà. Ça, je le vois dans plusieurs rayons au niveau des poches. Et à chaque fois, je me suis dit. C'est bizarre. C'est bizarre, il me tentait, donc là je me suis dit bon allez prends-le, hein, comme ça tu te poseras plus de questions. Il m'a coûté 1 €, voilà. Hein? Pas chipoté. Ensuite, pareil, à chaque fois j'en vois plusieurs et j'ai jamais tenté de les prendre en librairie parce qu'à chaque fois que je vais en librairie, c'est pas la bonne période en fait, c'est pas quand il sort. Donc j'ai trouvé plusieurs très à table. Donc ça va me permettre de tester plusieurs auteurs. Voilà, je vais voir ce que ça donne. Donc j'ai celui de 2016, celui de je sais pas quelle année. Celui-là non plus. Donc je sais pas trop de quand. 2014 je crois celui-ci. Et dedans il y a des auteurs qui m'intéressent comme Michel Bussy, Maxime Chattam. Je suis sûre qu'il y en a une qui rigole derrière son écran là, c'est Frangine, parce que voilà, j'ai eu le malheur de faire un lapsus une fois sur Maxime Chattam. Donc voilà. Donc c'est Maxime Chattam. Dans celui-ci, il y a Agnès Le Digue aussi, que je veux lire. Et là, dans celui-ci, il y a encore du Maxime Chattam. Marc Lévy, il y a Guillaume Musso, Franck Tillier. Donc voilà. Et dans celui-ci, il y a encore du Maxime Chattam qui m'intéresse. Agnès Le Digue, Marc Lévy, Franck Tillier. Voilà. Après, les autres, je ne les connais pas forcément, mais même pas de nom. Donc, bon, bah, je verrai. Et je vois que. Celui-là, il est daté de 2017. Ah bon? Bah, celui-là, je l'ai pas vu tourner beaucoup hein, l'année dernière. Je ne vais pas dire, mais enfin l'année encore avant. Que celui-là, oui, il me semblait que j'avais vu. Mais je sais même pas quelle année il est. Si c'est 2014, je crois que j'ai dit à l'intérieur que c'était écrit, non? Ouais, 2014. Donc, mais bon, celui-ci, non, j'en avais pas vraiment entendu parler de celui-là. Mais bon, je verrai bien. Et je vois que oui, qu'il y a une petite dédicace pour notre mamie chérie. Gros bisous, Mathieu, Roxane et Julien. Donc voilà, mamie l'a redonné à Emmaüs. Mais voilà. Ouais.
Ça peut se lire relativement facilement. J'aurais pas vraiment de pitié à l'emmener au boulot ou quoi que ce soit. Donc, ouais. À voir. J'ai trouvé un livre de Pierre Bordage. Donc, ceux qui sauront, il est en état neuf. Et c'était un ouvrage gratuit, ne peut être vendu. Hein, donc, ça, on en trouve beaucoup à Emmaüs. Mais bon, moi, ça me dérange pas parce que, bon, là, c'est pour une bonne cause. Donc, moi, ça me dérange pas de l'acheter, voilà, de donner des sous pour un truc qui était censé ne pas être vendu. Ça me dérange pas, mais quand c'est quand vous retrouvez ce genre de livre sur Price, Momox, Jibert, ou, enfin là ça me dérange un peu plus, voilà. Et il est en super bon état, donc voilà. Et il m'intéressait, donc j'ai pris. Non, je ne me justifie pas, non. Ensuite, j'ai trouvé en collection Hachette L'amour pour les zéros. Ça doit être un truc jeunesse, voilà, de A.E. Cannon. J'en sais pas plus. Ça est censé valoir 12 euros. C'est du jeunesse, c'est écrit trop. Je me suis dit pourquoi pas. Enfin voilà, comme d'hab, hein, de toute manière, quand je vois des livres qui pourraient me plaire, je me fais bon bah, pff, allez, prends. J'ai du mal à repartir de chez Emmaüs sans rien en même temps. J'ai des... Voilà, ça me fait mal au cœur. Ensuite, j'ai eu la bonne surprise de trouver Easy de Tamara Weber, donc aux éditions J'ai lu. Voilà, j'aime beaucoup ces éditions-là, je les trouve très jolies. Et c'était dans ma wish, donc je suis contente. Voilà, je pensais pas trouver ça à Emmaüs, et à chaque fois, bah, je suis surprise. Surtout que celui-là, bah, je l'ai déniché dans une petite cagette cachée, donc j'étais contente. Donc, voilà, donc très contente. Donc voilà pour Book Haul du mois de février version papier, hein, parce que bah, clairement je me suis encore pas mis à jour niveau e-book pour ce mois-ci. J'en ai téléchargé, je les ai pas encore mis sur ma liseuse, donc j'ai pas encore fait ma liste, voilà, j'ai pas encore tout mis papier ce que j'ai pris, donc il arrivera quand il arrivera. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, je vous fais d'énormes bisous et je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis donc à mercredi ou dimanche, ça dépendra quand cette vidéo.